Ça y est. Les battements de mon cœur s'accélèrent. L'adrénaline monte. Je vais enfin pouvoir avoir une identité. Une idée. Ma propre idée. Je vais vous dire ce qu'on ne vous dit pas. Vous pensiez être informé? Ils sont les médias. Je vais vous donner la clé dont vous n'ignorez pas l'existence. Mais le pouvoir. Ce combat est le mien. Je suis seul. Et nous sommes des milliers. Bonjour, monsieur Bergot. Ouais. Un colis pour vous. Une petite signature, s'il vous plaît. Merci bien. Voilà. Merci, bonne journée à vous. Merci, au revoir. Ne votons plus. Alors vous allez me dire, pourquoi ne pas voter alors qu'on s'est battu des années et des années pour ce droit, et surtout les femmes d'ailleurs? Eh bien imaginons une chose. S'abstenir, c'est donner sa voix. Donner sa voix pour le mécontentement. S'abstenir, ça veut dire donner son avis, ça veut dire aucun des candidats ne me convient. Pourquoi j'entends à chaque fois dire « Oh mais j'ai pas voté pour lui, mais j'ai voté contre l'autre » ou « Oh non, j'ai juste voté pour le moins pire ». Remémorons une chose. Lors du résultat des élections présidentielles, le chiffre d'abstention est toujours donné. Ça veut bien dire qu'il est important, qu'il est compté, qu'il signifie quelque chose. Vous savez pourquoi on a le vote blanc? Pour diviser ce chiffre. On s'en fout du vote blanc, personne n'en parle, il n'est jamais compté, on ne connaît même pas le nombre.
On est trompé sur la façon de s'exprimer. Aujourd'hui, il est trop facile d'élire un président et de le descendre ensuite, et surtout dans les sondages. Tous les mandats se terminent de la même façon, vous avez remarqué ? Ah, lui, on veut pas de lui, vivement qu'il dégage, tout ça. C'est n'importe quoi. Vous, il est beaucoup trop facile aujourd'hui de voter, de se plaindre et de revoter. Mais changeons ! Aucun des candidats ne vous convient. Vous ne leur donnez pas de voix. C'est pas plus simple, pas plus compliqué que ça. Du haut de toute ma naïveté, laissez-moi croire une chose. Le jour où on dépasse 50% d'abstention, c'est-à-dire que le jour où plus de 1 Français sur 2 dit « aucun des candidats ne me convient », ça changera. Là, on aura passé quelque chose. Là, tous les Français auront exprimé leurs idées, leurs propres idées. S'abstenir, c'est s'exprimer. Quelle idée. Comment ai-je pu croire en tout ça ? J'ai laissé l'utopie m'envahir, m'aveugler de la réalité. Comment un pauvre petit étudiant peut-il entrevoir un espoir, celle avec lui-même et sa naïveté ? Au moins, je garderai ma bonne conscience. De toute façon, les politiques sont intouchables, même s'ils ne sont que des pantins dans la valse du système. Ils ne sont maîtres que du devant de la scène. Alors moi, dans tout ça, je ne suis qu'éphémère dans leur règne animal. C'est une partie de l'avenir de notre pays qui va se jouer dans 8 secondes maintenant. Qui les Français ont-ils choisi de désigner à la présidence de la République ? Eh bien c'est... La France change, on s'est dit avec mes compères que pour nettoyer au carcère, on était volontaires, tous ces magouilleurs déguisés. Ok, pour nettoyer la racaille, nous partons donc carcériser l'Elysée. Ces hommes d'affaires en forme de politiciens, libéralisant le pays en dépit des vœux de la populace. Baillons dans la démocratie pour faire passer leurs lois, leurs décrets, même quand le peuple a dit assez. Gouvernement honteux, que rien n'amène à la démission. Le plus ridicule de toute l'histoire de la nation, article 49.3, répression, couvre-feu, dépassé, ta 5ème République a pris un coup de vieux. Le bol s'élève, gouvernement illégitime depuis le nom à la constitution européenne. Partout ça se mobilise, anti-libéral, les prisons se remplissent, la démocratie n'est pas libérale. Sortez les dossiers du placard, c'est à l'Élysée que se cache.